Et à péter de ton côté? Putain, vas-y, c'est bon. Par contre! Une figurine a été utilisée. Putain, les mecs! Vous abusez! Vous avez volé une figurine! Screen à l'appui, ici, il y avait un Sonic! Bonjour! Ici Bigorneau et avec mon acolyte coquillage. Ou inversement, on ne saura jamais. D'ailleurs, attends, tu sais quoi? Sondage sur le compte actuellement Twitter de Bigorneau et coquillage. Qui est coquillage? Qui est Bigorneau? Il faut éclaircir la situation! Ce que nous allons faire aujourd'hui. Souhait. Merci. Bon, on est plutôt jeune maintenant. Surtout toi, hein. On a décidé de régresser et de vous montrer les jouets qui ont marqué notre enfance. Et il y en a beaucoup. On a tous joué à des jeux quand on était petit et il faut dire que c'est intéressant, les jouets évoluent très vite. C'est-à-dire que Cyprien, il a que 7 ans de plus que moi. Et les jouets déjà auxquels il jouait sont radicalement différents des miens. Oh, les jouets auxquels il jouait, c'est drôle ça. Cyprien, va chercher un de tes jouets et ramène. Un de mes jouets? Un de tes jouets à toi, okay. C'est parti. Finger skate. Mais là où je réalise un rêve, c'est que moi je voulais absolument cette chose, des modules de finger skate. Magnifique. C'est la première fois que je vais pouvoir essayer, j'ai aucun niveau en finger skate. Je te fais mon regard, je te cadre. Tu avais remarqué. Ah non. Attends, je peux essayer. C'est le tag le plus gentil du monde. La musique. Le vrai Oli, moi je sais le faire. Ces modules-là, je les faisais avec des livres. Un classeur, c'est le meilleur module de finger skate que j'ai pu avoir. Ouais. Si vous savez faire des figures avec ça, et ben tweetez-nous, je veux voir ça. Jeu numéro 2. Je sais ce que c'est, ça fait 1000 ans que j'ai pas vu cet objet. Des JoJo's. Qu'est-ce qu'un JoJo's finalement, Lucas? Ce sont des petits jouets à collectionner. Alors, en gros, t'achètes un sachet, tu l'ouvres et dedans t'as des JoJo's et tu pries pour avoir des JoJo's rares. Et en fait, c'est selon la couleur la rareté. Mais il y a eu plusieurs générations de JoJo's, il y a des blogs et tout qui regroupent tout ça. J'allais regarder. Non, je te jure, c'est une blague. Je racontais des anecdotes dans une vidéo et je disais que j'avais hérité de la collection de mon frère de JoJo's. En ouvrant le sachet, tu sais, il était un peu fermé fort. J'ai fait ah. Tous les JoJo's ont volé comme ça. Et tous les enfants de la cour courent et ils me volent les JoJo's. Et mec, j'ai perdu les JoJo's rares de mon frère. Genre, tu sais, tous les brillants, il me restait que des pourris comme ça. Les JoJo's, vraiment. C'était pas les tiens, je t'en bats les couilles. De mémoire, il faut juste jeter les JoJo's et c'est celui qui est le plus proche du mur qui gagne. Regarde, on va tester là-bas. Ouais, on va tester là-bas. Non, mais c'est pas mal. Oh. Oh, c'est nul. En fait, c'est vraiment. Ah, c'est incroyable. Attends, mais là, mec. Je suis beaucoup plus proche, regardez. Ça c'est moi. Mais c'est le sentir fort, il est pas mal. C'est de la pétanque en fait. C'est de la pétanque, oui. Dans les cours de récré, on joue à la pétanque. Suivant, okay. Lucas Ocha. Le diabolo. Vous savez ces gens qui jonglent dans la cour de récré ou qui font du diabolo? Bah peut-être que j'en faisais un peu partie, ouais. Oh, ça fait des années. T'as pas répondu. Le mec, j'avais comment? J'ai lancé le diabolo. Mais après, t'as des techniques là, genre tu fais ça. C'est ça, genre, pour faire accélérer en fait. Carrément dangereux. Et ensuite, avant, tu fais une technique, genre, vers ça, tu vois. J'ai perdu le contrôle. Oui. On reste dans la ficelle. Et vous savez très bien ce qui va arriver. Un jeu à ficelle, c'est parti, vous avez 4 secondes, 3 secondes, 2 secondes, 1 seconde et c'est. Le yo-yo, oui. J'ai l'impression qu'il est plus petit que dans mes souvenirs, mais bon. Yes. J'ai 29 ans, hein, pour. Yo-yo de l'extrême. T'étais bon que t'étais petit ou pas? Parce que là tu gères quand même. Ah, je gère de ouf, mais j'ai perdu. Extrait de mon enfant qui fait du yo-yo. Pas mal, hein. C'était vraiment dans la. C'était. Mais moi je me rappelle, je les envoyais, j'ai l'impression que c'était plus gros, plus lourd, et ils tournaient en bas. Yo-yo, très pratique. En plus, en cas de conflit, on veut vous raqueter, qu'est-ce qui se passe? Non, non, j'arrête de vous raqueter! Lucas a expressément demandé de jouer, je vois pas ce qui est amusant, et j'ai jamais vu ça de ma vie. Ok, vous êtes prêts? C'est pour les grands-mères? C'est un kit pour faire du savon, c'est bon? C'est pour les personnes âgées? Qui peut me juger? Vous allez voir que vous étiez trompé sur ce jouet, c'est parti. Okay. Faisons un savon. Un savon. Oh putain, fais un effort. Qu'est-ce qui s'est passé sur cette chaîne? Bienvenue dans ce tuto pour faire un petit savon. Nous allons tout d'abord choisir notre couleur qui correspond aussi à une senteur. Bah, du bleu, s'il te plaît. Ici, on a des petits moules. Alors, on va utiliser. Du savon? Mais à quel moment? Mais arrête de me juger! Tu veux perdre ton bigorneau? Je reviens avec un couteau et un micro-ondes. Mec, on l'aura mérité ce savon. T'as fait ça avec ta grand-mère, c'est sûr. Non, c'était avec ma maman. Tu sais, je voulais genre jouer à des action man, elle fait non, on va faire du savon. Je faisais ok. Les cubes sont dessinés, mais oui. Ah, yes. Il faut les mettre dans un verre. On fait péter les watts. C'est quoi les watts? Et je parle pas de musique. C'est bon, regarde, ça marche. Vous savez quoi, on fait gagner le savon.
On vous l'envoie par la poste. N'hésitez pas à participer. Commentez, je veux le savon. Je vous jure, on vous l'envoie par la poste. Je vous jure, vous pouvez habiter à Nouméa, sur le centre de l'Afrique. Vous nous envoyez une photo Twitter que vous l'avez reçue et on met la photo dans la prochaine vidéo. On va au bout de ce délire. Alors, c'était un moment cool ou pas quand même? C'est le moment le plus flingué de la vidéo. Je vais me laver la main. C'est naze. Mec, tu veux du savon? Pour votre petit frère à Noël, n'hésitez pas à savoir. N'hésitez pas à trouver autre chose. On arrive sur du très très lourd. Le jouet existe encore aujourd'hui. Les gens l'adorent. Je suis trop content. C'est parti pour... Ah, Tricky Bee. Oh, c'est lourd. Chaque bouton correspond à une étape du plateau. Si j'appuie là, ça correspond à cette étape. Si j'appuie là, ça correspond au tuyau. Si j'appuie là, ça correspond à ce truc-là. Oh putain, c'est génial. Oui. J'ai jamais réussi à le faire quand j'étais gamin. Forcément, je prenais la bille, je la mettais à la fin. Je faisais hop là. Terminé. Ouais, mais des années après. Est-ce qu'à 29 ans, je suis capable de faire ça? C'est parti. Bon. Ah oui, d'accord. Ah ouais, niveau 1, tu bloques. Ah, ah, ah dans 20 minutes. Oh, bien. Oh, mec, c'est total wipeout, je suis à fond. Bien joué. Oh, oh, tu triches, Cyprien. Oh, un essai chacun. Non, 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 non. Je peux revenir? Vas-y, vas-y. Il m'a laissé seul avec Tricky Bee. Cyprien, tu m'as perdu. Zéro spectateur. Tu mets la pression là. La pression. Timothée Hochet, voilà, réalisateur, tout ça. Je fais des plans avec moi. On a un réal pour Tricky Bee. C'est génial. Oh, putain, mais ça va tout le temps de notre côté. Ok, attends, chacun, tu fais quoi là? Oh putain, elle allait y aller, la pute. Oh, mais vas-y, c'est dur. Non, c'est d'aller. Oui. Oui. Oh, bien joué. Oh, c'est bien joué. Bouya. Timothée, si je peux pas, tu réalises super. Ouais, mais t'inquiète. C'est le moment où je vais pouvoir jouer. Yes. C'est à moi. Ce n'est pas possible. Mais expliquez-moi le sens de ce jeu. Bouya, Tricky Bee. Élu meilleur jouet de l'univers. Timothée, toi qui viens d'arriver. Incroyable, bah, que du spectacle. Moi j'ai une question, est-ce qu'il y a des vidéos de mecs qui ont fait des speedruns de ce truc? Eh bah justement, j'ai vu un mec qui a fait un speedrun de ça. Le mec qui fait un one shot. Et là j'ai fait, ok, il faut vraiment que je rejoue à ce truc. Est-ce qu'on peut la voir maintenant? Je vais la voir s'il te plaît. Hop, laissez, j'aimerais la voir maintenant. Oh, oh, t'as vu? Il a pris un raccourci. Il a pris un raccourci. C'est la chose la plus impressionnante que j'ai vue. S'il vous plaît, ceux qui font Tricky Bee, Tommy, sortez un 2 pour les adultes. S'il vous plaît, pitié. Qui fait la taille de la table. Et juste, on fait 3 vidéos dessus. Vraiment, on vous le dit. On vous le dit comme ça. Ok les gars, vous savez quoi, je ramène un des jouets de mon enfance. Un de mes jouets préférés. Oui. C'est cool. Ah oui, mais c'est bien. Alors les gars, on va faire le jeu que j'aime bien. C'est le Benga en fait, avec des capleurs. On va faire là, Jenga. On a 4 Benga, nous. Jenga, pardon. Petite séquence accélérée avec une musique sympathique. Ok Cyprien, c'est bon. Les gars, on va jouer à retirer sans que ça tombe. Ouais ouais, mais là tu vas tout tomber. Pardon, ouais, j'ai mal dit, j'ai mal dit. Moi je remarque ça, ça critique mais ça kiffe. Oh le chien. Oh tu prends vraiment. Ok, il a perdu. Bon normalement tu fais des figures de ouf. Vous savez très bien de ce que je vais sortir. Classique. Est-ce qu'on essaye de le mettre dans les escaliers? Ça fait pas que ça marchait. Moi à chaque fois je faisais ça. Comme un con. Waouh. Pourquoi acheter une corde à sauter? Dernier jouet. Oh, l'un des meilleurs. Il a été remis au goût du jour. Moi j'avais la version originale. C'est le Tamagotchi. C'est vrai que ça revient là. Maxence il en a acheté un. Vas-y. Oh, ah il est là direct. Bah il y a l'œuf quoi. Ah oui, on sait pas quand il va éclore. Bah c'est l'heure de faire le petit bilan. Dans la catégorie révélation de l'année, celui-là, car on a enfin compris qu'il pouvait descendre des marches tout seul. Voilà, c'est pas du fake. Il marche vraiment. Dans la catégorie innovant. Non non non, c'est vraiment pas ça. Dans la catégorie innovant, nous avons le finger skate. Oui. Voilà, qui est un très grand classique. Dans la catégorie spectaculaire. Boulot. Dans la catégorie c'est du plagiat mais on s'en fout, c'est cool. Les JoJo's bien évidemment. C'est vraiment de la pétanque. Dans la catégorie aussi vieux que ta grand-mère mais indémodable. Yo, il est là. Oui. Bien plus vieux que ta grand-mère même. Celui-ci fait de la lumière, un peu comme ta grand-mère aussi. Dans la catégorie, mais ce n'est pas du tout un Jenga en fait.
Les Kaplan. Les Kaplan. Qui remporte haut la main. Vraiment, c'est des petits bouts de bois, c'est de la bûchette quoi. Ouais, mais moi une fois j'étais allé dans un store et il y avait des constructions immenses partout et c'était génial. Et vraiment ça t'inspirait. Mec, non. T'avais des bouts de bois et du savon. Dans la catégorie putain quand est-ce qu'il est clos. Oui. Dans la catégorie putain que ça fait plaisir. Ah ouais, ouais, ouais. Vraiment un truc incroyable. Et trouve une catégorie pour dans ça. Dans la catégorie inutile et cher. Oh. Oh. C'est une petite boule. C'est une petite boule au début, c'est un slim, après il va évoluer en autre chose. Et en fonction de comment tu t'en occupes, il évolue différemment. Oui. Moi je me souviens la prof, quand ils ont faim, quand ils meurent, ça fait du bip, ça fait bip 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 bip. Et la prof elle confisquait tous les tamagotchis en début de cours. Et quand on les récupérait, ils étaient tous morts. Et on pleurait tous ensemble. Et je rentrais, je faisais du savon pour me consoler. N'hésitez pas à, je sais même plus ce que, à dire je veux du savon dans les commentaires. Oui, on vous l'envoie. On vous envoie. Mais comme ça, avec la palette, on vous l'envoie. Ah, tu envoies avec la palette. On vous envoie tout. Un plaisir. Merci Timothée qui a réalisé Tricky Bee et les escaliers, bien sûr. N'hésitez pas à vous abonner. In the box. Oh merde, putain. Je l'ai crevé. Pardon.